Merci à tous d'être venus. Bon, la vidéo, ça marche pour tout le monde. Le son. Ouais, tout bon. Ouais. Ouais. Parfait. Donc, merci beaucoup. Voilà, on va faire cette petite vidéo assez rapidement et assez efficacement. On va essayer. Alors, la première question que je voulais vous poser, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, et voilà, c'est souvent des remarques que j'ai. On me dit souvent que le concours, en gros, il n'y a que les pros qui peuvent gagner, il n'y a que des pros qui peuvent arriver à. On va dire dans les qualifiés ou même dans le top 10. Donc, ceux qui sont pros, levez la main. Qui est professionnel en photo? Alors moi, je suis semi-pro. Ouais. Donc, c'est une activité à part entière, mais c'est une activité secondaire. Alors, en premier, qui est pro de la photo ou qui vit que de ça? Loris, c'est ça? Non, plus maintenant. Pareil, semi-pro, j'allais répondre aussi. Ok. Alors, qui est semi-pro, voilà. Qui est pro et qui est… Enfin, c'est une activité complémentaire. Donc, ça en fait deux, c'est tout. Et tous les autres, vous êtes amateurs en photo? Vous êtes sûr? Ouais. Officiellement amateur ou vous travaillez quand même dans le domaine de la photo? Non, officiellement amateur. Ouais. Bon. Officiellement amateur. Ouais, pareil. Donc, du coup, on peut dire qu'on est une majorité d'amateurs, même si vos photos elles sont largement de niveau pro, il n'y a pas de souci. Il y a une majorité d'amateurs. Ben, moi, je suis surpris. J'aurais cru que c'était beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de. Ou alors, ça veut dire que les pros n'ont pas osé participer, peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que dans les remarques du concours, j'ai un peu ça, quoi. J'ai beaucoup d'amateurs qui ne veulent pas participer parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune chance. C'est sûrement à raison, mais il y en a d'autres, je pense que c'est pas forcément à raison. Ils pensent que c'est que les pros qui gagnent ce concours. Et à l'inverse, les pros, j'arrive pas toujours à les décider à participer. Et ça, c'est depuis que je l'ai lancé en 2015. Donc, du coup, parce qu'eux, ils veulent pas forcément tous être mélangés avec des amateurs ou le concours est trop bizarre. C'est quoi la crainte d'être mélangé avec des amateurs? Parce que tu as plein de concours en France où il n'y a pas de distinction amateur pro, tu participes. Là, j'ai envie de dire, faudrait demander à tous ceux qui ne veulent pas participer. Bon, je pense que ce n'est pas un concours qui est assez réputé, quoi. Donc il a plutôt une bonne audience, malgré tout, pour un petit concours, on va dire, de façon artisanale. J'ai plutôt une bonne audience et ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Les gens sont contents. Ouais, je trouve ça original et sympa, mais c'est vrai que voilà. Donc, en fait, j'ai des amateurs d'un côté qui me disent, bah non, à cause des pros, en gros, on ne peut pas trop participer parce qu'on n'a aucune chance. Et puis, les pros de l'autre côté qui ne participent pas non plus. Donc, ouais, le comble. Heureusement, il y a plein de gens sympas qui participent et il y a des personnes qui reviennent d'année en année. Donc, voilà, je me fais pas de soucis pour le concours. Voilà. Ouais, Mathieu, t'es dit ? Oui, je viens d'année en année. T'as déjà la première année, tu étais là ? En 2015 ? Non. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé, mais c'est ma troisième participation au moins. Ok, cool. Alors du coup, la deuxième question, voilà, c'est juste une petite question avant de passer à vos photos. On va faire dans l'ordre sur mon mur. Donc, Yvan, en premier, comment vous avez découvert le concours? Comment vous êtes décidé à participer? Voilà. Eh ben, je vais pas te mentir. Franchement, je me rappelle absolument pas. Franchement, je sais que ça fait pas longtemps. Hein. L'an dernier, je savais pas du tout que ce concours existait. Je m'intéressais pas du tout au concours non plus. Et cette année, je dois t'avouer que je ne me souviens plus. Mais vraiment, je me souviens plus du tout. C'est désolé. Mathieu, du coup, toi, tu l'as découvert comment? Moi, je l'avais découvert par Facebook. Je ne sais plus dire comment, et c'est définitivement deuxième ou troisième participation à laquelle je me suis inscrit. Ce qui m'avait plu dès le début, c'est ce côté amateur, et puis qu'il y ait une sélection de photos qui soit faite par un jury, et qu'après, nous tous, nous puissions voter entre deux photos, ce qui permet aux participants d'être initiés à toute cette vie du concours. Ouais. En fait, moi, j'ai fait un peu ce concours par dépit des autres concours auxquels je n'aimais pas participer. Je voulais faire un concours qui soit un peu plus dynamique, un peu plus sympa, un peu plus original. Donc, il y en a pour qui, et c'est trop bizarre. Et je pense que c'est ce qui freine beaucoup de pros. Alors, des catégories qui se rencontrent entre elles, pour eux, pour certains, c'est pas possible. C'est genre un truc totalement anormal. Alors, bon, voilà, c'est juste fun. Il y a un vainqueur par catégorie. Moi, je trouve ça, enfin, voilà. Après, on se bat entre catégories. Ça permet de voir un peu les préférences des gens. Puis, bon, voilà. C'est un concours, c'est un jeu. Ça va pas. Tout à fait. Faut pas prendre ça. Je sais pas. Et puis, il y avait surtout le côté, voilà, les gens qui regardent les photos, il y a des petits commentaires. Alors, on ne peut pas faire des commentaires sur toutes les photos parce que sinon, on y sera encore. Mais là, ça fait quand même 50 photos où les gens ont un petit commentaire. Alors,
voilà, bon, pour certains qui sont un peu pro de ça, les commentaires, bon, ils vont les prendre comme ça. Et pour des amateurs, il y en a qui sont très contents d'avoir des commentaires d'un pro, et je trouve ça sympa, quoi. En tout cas, les gens savent qu'on a regardé leurs photos, qu'on a passé du temps dessus. Et même en dehors de ce top 10, on a quand même regardé toutes les autres photos. On y a passé du temps. Ok, donc Frédéric, toi, tu as découvert comment les playoffs? Ouais, mais moi, c'est sur Facebook, en fait. J'ai vu que tu le passais sur le réseau et j'ai pas mal aimé le concept, en fait, parce qu'il y a des petites battles et on peut suivre le truc jusqu'à la fin. C'est un petit jeu, c'est sympa, quoi. Bon. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude, quoi. Bah, en tout cas, c'était le but à la base. Donc, voilà. Du coup, Nicolas, toi, tu l'as découvert comment le concours? Moi, de mémoire, je le connais depuis maintenant 3-4 ans. Ouais, tu sais, je le voyais passer, je crois que c'est Facebook, ouais. Ouais, enfin, en gros, tu as découvert le concours par le biais d'autres photographes sur Facebook. C'est ça. D'accord. Ok. Loris, du coup, toi? Alors, moi, j'ai découvert par le biais de Thomas, qui est membre du jury, qui m'a dit que. Il m'a tagué en fait sur le truc, et puis il m'a dit bah, vas-y, tu devrais participer. Je ne regrette pas. Pas qu'il était membre en fait à l'origine et je l'ai su que après. D'accord. Ok. Alors Bastien, écoute, tu veux découvrir comment le concours? Alors moi en fait, je suis ton travail à toi depuis déjà quelques années et je t'avais découvert un peu par hasard par rapport à notamment tous tes articles de blog autour de la photo de sport. D'accord. Et donc c'est comme ça que j'avais découvert le concours. Je pense il y a 3 ou 4 ans. Ma première participation c'était l'an dernier. Où j'avais dû envoyer une photo en partie en catégorie animalière, mais qui n'était pas passée. Ouais. Et du coup cette année, je suis tombé par hasard sur un de tes posts sur les playoffs. Je me suis dit bon bah allez, confiné, on a un peu de temps, allons-y. Hein. Bah en fait c'est ce qui m'a décidé aussi à relancer le truc, hein, parce que bon voilà, ça prend quand même du temps à faire. Et là je me suis dit je vais essayer de faire une édition plus courte pour concerner, on va dire. Peut-être moins de personnes au total, mais des gens peut-être un peu plus concernés, et faire ça en mode rapide, sympa, et voilà, le confinement, finalement. Pour beaucoup de gens qui sont bloqués, ça fait une petite activité en plus, quoi. Bah, c'est une bonne idée. Du coup, Benjamin, toi, comment tu as découvert ça? Moi, c'est à travers un forum, le forum de photos assez ancien sur lequel j'étais inscrit, où il me semble que tu étais inscrit aussi. D'accord. Voilà, donc ça vient de là, où c'est un très vieux forum, et du coup, il y avait déjà eu une édition, il me semble, ça s'appelait comme des Coupes du Monde. Ouais, d'accord. Ah, sur ce forum, et ouais, voilà. Et ensuite, là, ça fait 2 ans que je participe, et puis sur Facebook, là, je l'ai revu cette année, je me suis dit, bah, allez, c'est le moment de participer. D'accord. Ok, ouais, c'est marrant ça. Ouais, du coup, ouais, parce que le forum, en fait, là où tu étais, c'est le forum que j'ai créé, mais c'était il y a super longtemps que je me suis inscrit dessus. D'accord. Ouais. Comme quoi. C'était le tout début pour moi. Ok, ouais, bah, franchement, c'est marrant. Bah, cool. Alors, je vais vous partager les photos et du coup, je vais vous demander juste vite fait à chacun sur votre photo. Hein, je vais aussi parler de la photo de Benoît Outré qui m'a envoyé les infos. Juste donner vite fait le contexte pour expliquer les gens parce qu'il y en a qui se posent des questions sur certaines photos. Alors, c'est plus sur la photo de Nicolas, la macro, où j'ai pas mal de gens qui se sont questionnés. Mais qu'est-ce que c'est, machin, etc. Sur d'autres photos, celle de Frédéric, il y a des gens qui pensent que ça a été pris absolument à l'autre bout du monde. J'en suis de moins en moins sûr maintenant. J'ai vu un peu ce qu'il a fait, donc voilà. Mais voilà. Mais moi, ça m'intéresse d'en savoir un tout petit peu plus. Voilà. Pas besoin de nous donner tous les secrets, tous les réglages, on s'en fiche. C'est juste un peu connaître le contexte. Voilà. Je vais rebondir tout d'abord sur ce que Loris disait tout à l'heure, puisque c'est lui qui m'a rappelé comment j'ai entendu parler des playoffs. C'est via Thomas aussi. Vu que je le suis sur les réseaux sociaux, ça m'est revenu quand Loris en a parlé. Je dirais merci à Thomas alors de m'avoir envoyé des gens sympas. C'est cool. Okay. Dis-nous tout. Eh ben, cette photo, elle a été faite en juillet de l'année dernière, en pleine nuit, aux environs, il me semble, d'une heure ou deux heures du matin. On allait faire des séances photos papillons, insectes, araignées et compagnie en pleine nuit. D'accord. Et donc, c'est une photo qui est quasiment brute. L'arrière-plan a juste été... j'ai un peu débouché les ombres parce que ça faisait vraiment très, très noir derrière pour dégager un peu de bleu. C'est fait avec un objectif macro standard, un appareil plein format. Et puis voilà, j'ai voulu avec c'est de la lumière artificielle, hein, simuler une lune. C'est fait à la lampe frontale, donc la lampe est placée derrière le papillon. Et c'était bien galère parce que j'étais sans trépied, sans rien du tout, donc c'était un bordel, bordel monstre. Ouais, j'imagine. Déjà, rien que la nuit pour retrouver les papillons, ça ne va pas être simple.
Mais, étrangement, ça va parce qu'ils ne bougent pas trop, ils sont en train de dormir. Hein, donc, s'il y a bien un moment où c'est simple, entre guillemets, de les trouver, de les photographier, c'est comme ça, avec une lampe frontale. Et si on sait, si on connaît à peu près les zones, ça c'était un demi-deuil. Si on connaît à peu près les zones où ils se tiennent, les trouver la nuit, c'est plus simple qu'il n'y paraît. D'accord, ok. Alors, c'est marrant parce que moi, j'avoue que alors, moi, la macro, j'en fais un tout petit peu, mais je suis un rigolo. Mais tu découvres qu'on peut en faire en pleine nuit, quoi. Moi, j'aurais parié que c'était une photo au coucher du soleil juste un peu après. Bon, la lumière artificielle, je me doutais que c'était une énorme torche en face ou une petite torche, enfin, un petit truc. Mais ouais, j'aurais pas parié que c'était en pleine nuit. Hein. Bah, du coup, chapeau. Ouais, c'était vraiment pleine nuit. Hein. J'avais l'heure, j'avais remis la photo sur Lightroom pour me rappeler un peu de l'heure, mais je vais regarder. Hein, juste une petite seconde. Ouais, 1h05 du matin. Oui, c'est bon, ça. D'accord. Ok, bah, c'est cool. Hein, franchement, bah, j'aurais là, pensé, j'aurais presque pensé à pleine lune ou presque. Voilà. Ouais, bah, ouais, moi, je me doutais que c'était une lumière artificielle parce que je sentais que c'était quand même assez violent. Parce que la lune, je suis pas sûr que ça aurait éclairé aussi violemment dessous. Non. Mais c'est vrai que j'aurais pas pensé que. Parce qu'en pleine nuit, déjà, il faut trouver les trucs. Et donc, vous étiez à deux pour faire la photo, c'est ça? On se baladait à deux, mais j'ai été seul pour faire la photo. En fait, j'avais placé mon appareil sur un espèce de petit muret. Et puis, je mettais le retardateur à 10 secondes et je courais derrière le papillon pour placer la lampe torche. Ah, du coup, c'est encore pire parce que je pensais qu'il y en a un qui tenait la torche et l'autre qui photographiait. Ouais, moi aussi, je pense. Ah, non. non. Comme quoi, j'ai cherché un chapeau pour enlever le chapeau là, parce que bravo. Ah, oui, mais comme quoi, ceux qui regardent, je veux dire, une idée, une envie, faire quelque chose de super original, partir la nuit pour faire ça, ça doit être un confinement, j'imagine, dans son jardin. Okay. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Moi, j'étais un ami qui m'a initié à la photo de nuit. Lui, il allait faire beaucoup de batraciens et d'amphibiens, etc. Et puis la nuit, en fait, on peut faire vraiment des choses sympas. Alors après, c'est sûr que le matériel, il joue quand même un petit peu. Hein. Faut des appareils qui réussissent à monter un peu en sensibilité, etc. Ouais. Mais oui, ça permet d'être assez créatif. Ouais, cette image-là, de jour, j'aurais jamais réussi à la faire. Hein. C'est impossible. Ok, bon, franchement, top. Bon, de toute manière, je peux le dire sans problème, hein, les 16 qualifiés, les photos, je les trouve top. Je n'avais pas trop de doute que les jurés allaient choisir de bonnes photos. Voilà, dans les top 10, tout ça, il y a des photos qui sont encore magnifiques. En dehors des top 10, il y a encore des photos qui sont magnifiques, hein, parce que on a vraiment une sélection quand même assez élargie sur chaque catégorie. Mais voilà, mais en tout cas, c'est super de découvrir ça. Ok, vas-y, dis-nous tout, Mathieu. C'est une photo prise au drone. Ouais. J'étais en déplacement professionnel dans le sud de l'Allemagne. Je passais dans la forêt noire. C'était une des journées où j'étais bien dans le timing. Et j'ai voulu sortir de l'autoroute parce que je fais suffisamment de kilomètres comme ça. Ouais. Et j'ai été un petit peu à l'aventure. Et je suis passé sur cette route. Il y avait des travaux en amont, en aval. Enfin bref, il y avait. Et en roulant sur la route, comme là les bagnoles, je me suis dit. Punaise, qu'est-ce qu'elle est belle cette route, ça doit être un vrai bonheur à voir d'en haut. J'avais mon drone dans la bagnole, donc j'ai fait demi-tour et je suis retourné sur la partie gauche de la photo. Là, on voit en fait cette petite sortie de route, exactement là. J'ai carré ma caisse, j'ai décollé et je me suis positionné au-dessus et j'ai essayé de composer ça le mieux que ça se passe. Et puis j'ai attendu que les voitures qui étaient dans les travaux coincées arrivent pour déclencher. Ouais, moi j'aime beaucoup cette photo. Alors, c'est marrant parce que je pense que comme beaucoup de gens, j'étais persuadé que c'était plutôt ça me faisait penser, je sais pas pourquoi, aux États-Unis, au Canada, donc finalement c'est encore... la forêt noire. Ouais, très proche de chez nous. La forêt là, elle est verte, mais oui, non, mais c'est la région, c'est un massif en fait qu'ils appellent la forêt noire. Mais forêt noire, ça me fait penser au gâteau. Il y en a qui n'ont pas pris leur dessert, mince, zut. C'était avec quel drone? C'est pas un discret. Hein. Là, c'était un DJI Phantom Advance, le 2, je crois, ou le 3. En blanc, c'est ça? Les blancs, les blancs pas pliables. Ouais. Entre-temps, j'ai, parce que je pouvais voyager ou l'utiliser facilement que quand j'étais justement en déplacement en voiture avec la grosse valise. À la sortie du Mavic Air, le petit pliable, très bon rapport qualité-prix, j'ai revendu le Phantom pour passer sur un Mavic Air avec lequel je suis encore plus mobile et que j'ai pratiquement toujours avec moi dans mon sac photo, puisque à la base je me suis remis à la faire de la photo de paysage grâce aux perspectives que m'offrait le drone en fait.
Ouais, bah c'est sûr que, enfin, voilà, pour avoir essayé aussi, c'est sûr que ça offre une vue qu'on n'a pas, hein, à moins d'avoir prendre l'hélicoptère, de faire de l'ULM, ou enfin, voilà, d'être dans, d'avoir la possibilité d'être dans les airs, bah, forcément le drone, ça offre une vue qui est assez incroyable. Et je ne suis pas très haut là, hein. Je suis à une trentaine, quarantaine de mètres, ouais, comme c'est un très très gros angle. Il n'y a pas besoin d'avoir des énormes altitudes pour faire des éléments, non, pour faire des photos avec des compositions. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin non plus, hein, parce que bon, là, c'est en Allemagne encore, mais même, enfin, voilà, même à côté de chez soi, des fois, il y a des choses qui sont très graphiques vite dessus, mais pourtant, quand on le regarde comme ça, l'œil, c'est très moche. Et, voilà. Non, c'est cool. Bah, franchement. Ouais, on s'aperçoit que le Phantom 2, il fait encore le taf. Hein. je sais plus. Non, ça, enfin, un Phantom, de toute manière, c'était un très, 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 très bon. Très très bon produit, et ce qui est important, c'est pas quel outil tu utilises, mais c'est de faire les photos et après d'être au bon endroit au bon moment et puis de faire les compositions. Tout à fait. Ouais. Moi, de toute façon, c'est comme ça. Enfin, des manières générales pour la photo, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on va faire du matériel. Je vais vraiment aller chercher un chapeau pour tirer le chapeau là, parce que ça aussi, c'est magnifique. Du coup, là, c'est Frédéric maintenant. Ouais. On s'entend. Donc là, dis-nous tout. Déjà, où c'est? Alors, ça a été pris au Kansas le 8 juin 2019. Okay. En fait, c'était mon deuxième séjour dans la tournée de Wally. C'est une zone des États-Unis qui est vraiment très favorable pour ce type d'ouvrage-là. Ouais. Et donc, j'ai fait un voyage de 25 jours en solitaire, complètement, et j'ai dormi dans la voiture le plus possible. D'accord. J'étais vraiment immersion sur le terrain, et là, c'était mon dernier jour en fait. T'as de très bonnes connaissances en météo, j'imagine. Comment? T'as de très bonnes connaissances en météo, j'imagine. Alors, t'es fou. Ouais, disons que je chasse depuis quelques années en Europe, et en fait, je me suis aperçu que c'est un peu pareil là-bas, quoi, même si c'est pas les mêmes dimensions, les mêmes échelles. Ouais. Et ça me permet, en fait, d'avoir une connaissance. C'est plus de l'expérience du terrain, en fait, on va dire, et de l'étude des modèles météo qui permet d'arriver à avoir un bon résultat, quoi. Okay. Et ça, donc, là, c'était mon dernier jour. Ouais. Dernier jour aux US, avec un potentiel de ciel isolé, parce que nous, ce qu'on recherche, hein, pour l'esthétique, c'est plutôt de l'orage isolé. Ouais, bien sûr. Et donc, beau potentiel. Et puis, je me suis calé à la frontière au début entre le Kansas et le Colorado. Ouais. Et j'ai attendu 2-3 heures dans la journée pour faire le début des premiers orages, quoi. Et au début, c'était assez plat, c'est quand même, ça se développait un petit peu dans le nord-est, vraiment très léger, quoi. Et les premiers orages étaient très décevants, il n'y avait rien du tout. Ça se formait, puis ça mourait, ça faisait que ça pendant 2-3 heures. Mmh. Et à un moment, ça s'est réactivé, et là, il y a eu un orage c'est spectaculaire, ce qu'on appelle une supercellule dans le jargon de la météorologie, quoi. Et vraiment, quoi, là, l'orage s'est développé, je l'ai suivi pendant 2 heures à peu près, et là, c'est parti en rotation, il y avait des chasseurs un peu partout, et c'était ambiance extraordinaire. Ouais, j'imagine. Bah, moi, j'avoue, c'est ce qui m'a fait penser aux États-Unis d'entrée de jeu, hein, parce que là, le paysage, finalement, il n'y a pas trop d'indices géographiques. Mais c'est le côté impressionnant. Mais finalement, ça, c'est une photo que tu aurais pu faire en France. Peut-être il y a moins de possibilités de le faire, mais tu peux faire la même. Disons qu'on peut avoir, on a de très beaux orages en Europe, hein. J'ai trouvé des trucs super, mais c'est quand même un autre monde. Les conditions sont beaucoup plus dantesques, et dès qu'on se retrouve là-bas, en fait, je sais pas comment dire ça, on sent que l'atmosphère est beaucoup plus épaisse, quoi. Et, ça part, c'est extraordinaire. Il y a des orages qui. En fait, le truc, c'est que les orages ont beaucoup plus d'espace en fait, dans les grands plans pour se développer. Il n'y a rien qui limite la révolution, quoi. C'est ça qui fait tout. Ouais. C'est la différence. Après, on peut trouver des belles choses. Je chasse beaucoup en Espagne, en Aragon, et c'est vrai que c'est des paysages assez similaires et c'est pas mal aussi. Ouais, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, bravo aussi. La photo, elle est ouf, Fred. C'est surtout bon, la supercellule. Mais de choper la foudre. Du coup, question là, t'as utilisé un détecteur ou t'as fait ça avec un temps de pause pour les photos de jour, j'ai un détecteur, ouais. Mais en fait, à l'époque, j'ai changé de matériel. Enfin, j'étais en Canon, je suis passé en Sony. J'avais que des problèmes et j'avais des problèmes de lag time en fait sur l'appareil. Et j'en ai raté plein. C'était incroyable. J'ai réussi à avoir que 2-3 photos en gros sur la CX où il y avait l'éclair dessus. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. D'accord. En tout cas, chapeau. C'est le genre de photo qu'on a envie de faire, mais peut-être pas forcément d'être très près non plus. Là, cette photo a fait beaucoup de débats au niveau du jury. Parce qu'on l'a trouvé finalement inclassable, quoi. C'était assez marrant parce que c'est beaucoup posé la question paysage, mais finalement, il y a tellement d'éléments naturels dans la photo que c'était dur de ne pas la mettre en. De ne pas la considérer comme une très bonne photo de paysage, mais c'est vrai qu'elle voilà, elle est vraiment. Elle a posé beaucoup de questions, cette photo. Quoi. Ouais. Donc, si, elle est,
si c'était un montage ou si c'était... Ah non, 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 du tout. Non, non, j'avais pas trop doute sur le fait que ce... je pense pas que ce soit un montage. En fait, tu vas nous dire, mais ça m'étonne. Non, 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 c'est pas un montage. Et en fait, c'est l'aboutissement d'un, d'un projet de 3 ans, quasiment. Ouais. Ouais, c'est même le... C'est le genre de photo que tu, tu fais une fois dans ta vie. J'imagine déjà l'éclipse. Déjà, faut l'avoir. Oui, bah après, aujourd'hui, tu as énormément d'applications ou de sites où, qui permettent de prévoir les éclipses, où est-ce qu'elles passent, leur, leur angle par rapport à l'horizon, est-ce que c'est une éclipse annulaire, une éclipse totale. Voilà, après, moi, c'était ma troisième parce que j'avais fait celle de 2015, 2016, mais je n'avais pas, pas de connaissances et donc j'ai surtout appris. Et donc là, j'étais parti aux États-Unis pour la, la fameuse éclipse du siècle. Et donc, j'ai passé quasiment un mois sur place pour préparer la photo. Alors, j'étais dans un ranch à côté en tant que bénévole. Okay. Et du coup, j'avais sélectionné cette zone-là parce qu'en fait, l'éclipse se produisait le tôt, on va dire, ouais, dans cette zone-là, le matin. Ce qui fait que plus elle allait traverser les États-Unis, plus elle allait monter en latitude. Et ouais, donc, du coup, d'accord, j'avais cette idée d'avoir de composer une photo avec un élément humain et l'éclipse au-dessus. Et forcément, ben, plus elle allait monter, plus ça allait être compliqué. Donc, il fallait déjà trouver un endroit où ça allait passer et un endroit où tu avais un espèce de promontoire rocheux, comme ça. Ouais, et par le bonheur de la vie, en fait, je suis tombé donc, en Oregon et le parc national qui était à côté, qui était près du ranch, ouais, qui s'appelle Smith Rock, avait des espèces comme ça de montagnes, de falaises hyper abruptes et qui permettaient de mettre quelqu'un comme ça sur le bord. Là, en fait, moi, on ne se rend pas compte, mais je suis en contrebas à 300-400 mètres. J'avais un 400 mm et la photo a été croppée. Et la fille qu'on voit, la personne qu'on voit sur la photo, là, c'est la jeune femme qui m'a accompagné sur mon voyage. Ça m'arrive des fois de le faire, de partager mes voyages. Et du coup, c'est elle qui m'a servi de modèle. Et heureusement qu'elle était là et qu'elle n'avait pas peur du vide parce que derrière elle, il y a une falaise. En fait, il y a 150 mètres d'aplomb. Voilà. D'accord, ok. Ah ouais, on ne s'imagine pas forcément dans la photo. Ouais. Voilà. Et du coup, avant le jour J, ben, il y a eu plein de repérages, de mise en scène. Pour avoir le cadrage, cette compo, et sachant qu'en fait, c'était marrant parce que quelques jours avant que la totalité se produise, on a commencé à avoir pas mal de photographes aussi affluer dans le secteur, notamment des gros photographes que la plupart d'entre vous connaissent. Il y avait Chris Burkhard qui était avec son équipe. D'accord. Et tu avais le fameux Michael Schembloom, pareil, qui était là avec un de ses collègues qui venait faire des shoots pour des marques ou à titre perso. Et donc, on était tous à l'arrière de la montagne. Donc, ça veut dire que j'avais bien choisi le spot, comme quoi. D'accord. Ouais, donc, en fait, ils sont arrivés sur le même spot que toi. Quoi. Ouais, mais ils sont arrivés. Moi, j'étais là depuis 3 semaines. Mais eux, ils étaient là. Ils sont arrivés quelques jours auparavant. Ils ont fait les repérages. Et eux, ils avaient mis une compo différente. Ils ont mis un gars avec la slackline. Ils ont mis un autre gars pour notre équipe avec une espèce de gars en train d'escalader. Et leurs photos, ils ont fait le tour du monde. Et c'est marrant parce que du coup, le 2 jours avant que le clip se passe, tu crois ces gars-là. Tu dis, ouais, attends, là, je pense que s'ils sont là, c'est que c'est pas par hasard. Ouais. Donc, déjà, ça te conforte dans ton choix. Et puis après, tu as le moment où ça se produit, qui est juste incroyable, parce qu'il faut se dire qu'en fait, nous, tous les buts d'éclipse, on ne le voyait pas, on était derrière la montagne. Puisque nous, ce qu'on voulait, c'est avoir l'éclipse sous la montagne, on était dans l'ombre. Ouais. En fait, tu as la personne par toi qui te dit, ouais, ça se produit. En plus, il y avait toute l'effervescence. Tu avais des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient réunies dans le parc, là. Ouais. Et donc, tu entendais les gens gueuler, enfin, c'était la folie. Et le moment où ça se produit, la totalité, bon, là encore que là, c'est pas la totalité, c'est les 2 minutes qui la précèdent. Ouais. Il faut dire que toi, tu vis un moment qui est déjà incroyable, parce qu'à un moment, tu te retrouves dans la nuit noire, en pleine journée. C'est assez perturbant. Ouais, c'est flippant. Et toi, tu te dis, voilà, est-ce que les réglages vont être bons? Est-ce que je vais arriver à composer? Le moment, enfin. C'est perturbant parce que tu as le moment que tu vis et la photo que tu veux ramener. Donc, ouais, cette préparation pour un moment qui va pas ouais, si longtemps que ça. Exactement, ouais. Exactement. Et donc, j'ai shooté en fait un peu à l'instinct. J'en ai chié pas mal parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a quasiment 40 degrés d'angle par rapport à l'endroit où je suis en fait, entre moi et l'horizon, ce qui fait qu'en fait j'étais constamment en train de me déplacer sur une espèce de côte, de coteau là, ouais. Et donc c'était pas vraiment pratique. Et du coup, entre le fait de se déplacer, le fait de refaire la mise au point, et en même temps il faut guider au talkie-walkie la personne pour qu'elle se déplace, qu'elle suive la coupe du soleil et donc de l'éclipse, tu te retrouves à devoir gérer 36 paramètres en même temps et les émotions qui t'envahissent. Bah, j'avais dire que voilà. Et là déjà, et puis bon, après ça, ouais. Souvenir assez exceptionnel quoi.
Voilà, donc non, c'est, ouais, c'est une photo, ouais, j'en ferai, si j'en fais comme ça, ouais, quelques-unes dans ma vie, je pourrais partir tranquille. Ouais. Ouais, j'ai envie de dire une, c'est déjà, voilà, c'est, ça sera que du bonus. Ouais. Ok, bah, c'est... Donc, pour les, juste pour les infos au niveau technique, là, c'est, on a un 50e F13, et chevaux 400 mm, mais croppé, ouais, notre équivalent de 600 ou 700, voilà. D'accord, ouais, ok. D'accord, bah, ouais, c'est marrant d'en savoir plus voilà, sur les conditions, quoi. Si, si ça intéresse, les gars, si ça vous intéresse d'en savoir un plus, j'ai écrit un article sur la. Je peux le mettre là en lien, sur la page de mon agence, et où il y a tout le backup qui est expliqué, en fait, entre il y a l'histoire, les réglages, tout est expliqué, parce que là, on ne se rend pas compte, mais quand tu vois les photos la veille en pleine journée, et là, tu te dis, mais attends, c'est quoi, il y a un montage et tout. Ok, bah ouais. Donc, je peux mettre le. Si ouais. Ça ne dérange pas, Mickaël, que je mette le lien. Non souci. Pas de problème. Allez, dis-nous tout. Okay. Dis-nous tout. Donc, cette photo, je l'ai faite dans le Vercors, dans le massif du Vercors, ceux qui connaissent, pour un bivouac que j'avais fait au sommet du Grand Vémont. Franchement, que je recommande à tout le monde parce que c'est vraiment un bivouac d'enfer d'être là-haut toute la nuit. T'es entouré d'espèces sauvages, c'est vraiment fabuleux. Et c'était lors de la redescente, donc de l'autre côté de la montagne. C'était tôt le matin, mais pas spécialement hyper tôt non plus, il y avait quand même des lumières assez fortes, vers peut-être 8h du matin. Ouais. Et il y avait déjà des belles compositions à faire, avec de jolis contrastes, avec au fond le Mont Aiguille, qu'on voit. C'est un peu le symbole de la région là-bas. D'accord. Donc déjà des compositions intéressantes, mais il me manquait quelque chose sur cette belle crête. Et ben, au détour d'un virage, j'ai surpris une famille de bouquetins. Ça a un peu créé le chaos, il y a les parents qui sont partis à droite et le petit qu'on voit sur la photo qui est parti complètement à gauche, qui allait complètement se placer sur la crête. Ouais. Et je me suis dit, c'est le moment pour shooter, ça a duré, parce qu'il n'est vraiment pas resté longtemps, ça a duré 2 secondes. J'ai dit, avec lui au premier plan, il y avait moyen de s'amuser avec les contrastes et les ombres. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réalisé cette photo. D'accord. Et pour la petite histoire, pour ceux qui aiment un peu la nature, le bouquetin là-bas a été réintroduit dans le Vercors en 89. Et au début, c'était une quinzaine d'individus. Maintenant, je crois qu'on est à plus de des centaines et des centaines d'espèces. Mmh. Plus de 500, je pense, dans le massif du Vercors. Donc, une très belle réintroduction qu'on ne pense pas forcément. Et donc, voilà, cette photo avec derrière le massif de l'Aiguille que je trouve vraiment très graphique et très beau. M'a fait prendre cette photo, ouais. D'accord, ok. Et du coup, pour le côté à couleur, ça, c'est quelque chose que tu as pensé sur place ou... Non, c'est après, en post-traitement, je me suis aperçu que vraiment, il y avait des beaux contrastes. Donc, vu que j'aime bien de base le noir et blanc, j'ai tout passé en noir et blanc et puis augmenté un peu les contrastes. Et je trouvais l'idée assez intéressante vu que le petit bouquetin se détachait vraiment bien de la crête. Donc, ça a été surtout en post-traitement et le passage en noir et blanc. D'accord. Ok. Mmh. Non, mais c'est cool. Et pour l'aspect technique, je suis sur plein format avec un 70-300, je crois, Canon. Voilà, il n'était pas non plus très très loin le bouquetin. Ouais, bon, c'est pas trop farouche en plus, non, comme image. Non, surtout dans cette région. Et puis, voilà, il y a pas mal de gens qui bivouaquent des fois au sommet du Grand Vémont. Donc, au final, ils sont un peu comme dans tous les grands parcs habitués. Ouais, de toute façon, enfin, j'ai envie de dire, des animaux, d'une manière générale, à chaque fois qu'ils sont dans des zones où ils ne sont pas, entre guillemets, persécutés, ils ont moins peur de l'homme, on les approche plus facilement. Quoi. Approcher un cerf en école, voilà. C'est plus facile qu'en France, et l'approcher dans des latitudes où il voit un homme tous les 3 mois, bah, c'est encore plus facile, c'est, voilà, c'est logique. Hein. Sinon, c'est sûr. Ils n'ont pas peur de nous, ils ne s'échappent pas, quoi, tout simplement. Ok, ben, parfait. Bah, écoute, ben, merci à toi. Alors, je sais pas si tu veux... Alors, ben, dis-nous tout. Hein. Alors, au niveau du contexte de la photo, donc elle s'inscrit dans une série de portraits. Ouais. Cette série m'a été commandée pour une expo dans le cadre d'un forum pour aider les enfants en difficulté de handicap à mieux comprendre leur handicap et à se dire que derrière ce handicap, on peut vivre comme tout le monde, malgré un regard de la société très dur. Et quand on est différent, en fait, on peut vivre de la même manière que les autres. Donc, en fait, moi, j'ai traité mon sujet, donc, en fait, de la différence, qu'elle soit choisie ou imposée par la nature.
Donc en fait, c'est une série de 4 portraits que j'ai. Dans ces 4 portraits, il y en a 2 qui ont choisi d'être différents et 2 dont c'est la nature qui leur a dit bah, vous allez être différents physiquement. Mais voilà. Donc en fait, j'ai contacté ce personnage qui n'était pas modèle, donc ouais. Xavier, que je suis parce qu'il était apprenti tatoueur. J'aimais bien son travail en tatouage. Et en fait, la première fois, en fait, je le connaissais, son travail, mais je l'avais jamais vu. Et en fait, le jour où je l'ai vu, je me suis dit que c'était une personne à shooter. Il fallait pas passer à côté. D'accord. Donc je l'ai contacté. Il a adhéré au projet tout de suite. Et on s'est retrouvé en fait sur Paris. J'ai loué un studio. J'ai loué un studio en une heure. On s'est rencontrés. J'ai pris possession du studio. J'ai pas travaillé au flash pour l'aspect technique. J'ai travaillé en lumière continue. Parce que en fait, avant je travaillais au flash et depuis que je travaille en lumière continue pour du portrait, j'ai l'impression de me rapprocher un petit peu plus d'un aspect cinématographique. Non, mais on sent que la lumière elle est très différente. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'ai travaillé qu'avec une source et j'ai un déboucheur en fait à la gauche du modèle, sur la droite de la photo. On peut voir d'ailleurs un petit point lumineux sur l'œil, enfin, sur les yeux. À l'origine, la série est en noir et blanc. Donc, cette photo était en noir et blanc. D'accord. Et pendant le confinement, j'ai repris mes fonds de tiroir de disque dur et j'ai décidé de rééditer toutes mes photos. En sachant que avant, je travaillais avec Lightroom et définitivement abandonné Adobe et pour passer sur Capture One, je me suis dit nouveau logiciel, je vais me réapproprier mes photos d'une autre manière. Merci. Et je me suis dit, je vais pas passer à côté des yeux bleus, je vais la traiter en couleur. Alors habituellement, mon travail en portrait s'articule autour du noir et blanc et des lumières froides, et j'ai décidé de travailler en couleur avec une lumière chaude. Donc d'accord. Pour le coup, tout le contraire de ce que je fais d'habitude. Et si le confinement a bien une chose de positive sur moi, c'est que je prends une perspective sur mon travail de portrait. Et c'est plutôt cool, tout en sachant que je ne fais que des clairs-obscurs et des gros contrastes dans mes portraits. D'accord, ok. Parce que là, franchement, le regard, je trouve que c'est ce qui fait voilà, une grande part de la photo. Son regard bleu, enfin, voilà, la lumière qui est très douce. Vraiment, pour le coup, on a shooté que une heure, donc ça a dû être, je le connaissais pas du tout, on avait juste échangé un peu au téléphone, et quand on s'est rencontré au pied du studio, on est monté, le temps de boire un café, de lui réexpliquer ce que je voulais, il est pas du tout modèle, donc au niveau de la direction, j'ai pas voulu rentrer trop dans le cliché du bonhomme barbu, tatoué, bad boy, avec des regards mauvais. J'ai tourné autour du sujet, je lui ai fait faire des trois quarts, fermer les yeux, regarder en l'air, derrière, devant, ben, bref, tous les trucs de portraitiste, quoi. Et puis, c'est le premier de ma série, du reste. Et en fait, je me suis dit que le plein pastille fonctionnait parce que il y avait cette espèce de sincérité dans le regard qui trompe pas, en fait. Il est pas là pour tromper qui que ce soit. Il est tel qu'il est. Maintenant, il a encore plus de tatouages sur le visage. Donc, il est vraiment dans une démarche jusqu'au boutiste. Et puis, la photo, on voit pas trop le tatouage, on voit pas trop la barbe. Et en fait, quand on s'y attarde, on voit qu'il y a aussi un piercing au niveau du nez, il y a des piercings dans les oreilles. Et ouais. Finalement, dans le cadre de l'exposition sur les différences, c'est là où il rentrait vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire que il a choisi d'être différent. Et finalement, il est tout à fait très bien accepté. Il est tatoueur renommé. Maintenant, il est modèle photo en plus, très bien intégré et ça fonctionne très bien. Alors ça date de 2018. Donc, on est en 2020, ça fonctionne encore très bien. Enfin voilà, les gens sont, je pense, du moins j'ai la naïveté de le croire, qu'ils sont très bien intégrés, quoi. Oui, bah après je pense que ce genre de choses, ça fait toujours peur et tout. Bah, forcément, un grand barbu, je sais pas s'il est grand, en plus s'il est massif, bah, c'est sûr que le gars. Alors, il arrive comme ça avec des tatouages. Bah, c'est toujours un mouvement de recul pour beaucoup de gens, mais bon, après de moins en moins, c'est bien la mode, alors je pense que ça. Étant moi-même barbu, En fait, au départ, je pensais que c'était un autoportrait, parce que quand je t'ai vu arriver à la webcam, peut-être plus en fait. Je voyais pas si ça faisait tatouage sur le côté, mais. Non, c'est pas. Non, je suis pas tatoué sur le visage, mais non, en fait, pour le coup, lui, il est petit et vraiment maigre. D'accord. Et je sais que moi, étant moi-même barbu, je sais que des fois, on est confronté au regard parce que. Il y a toujours cette espèce de stigmatisation
qu'on peut connaître. Et finalement, non, ça passe très bien. Dans mon milieu professionnel, ça passe. Et dans la pluie aussi. Là, c'est sûr que dans le cas de Rosbar, pour le coup, parce que c'est ce qui est central chez lui, en ce moment, avec le masque, ça fait un peu bizarre de la caser dans le masque. Mais en tout cas, dans le contexte de cette photographie et de cette association qui fait un travail remarquable pour les enfants, ça prouve aux gamins que on peut choisir d'être différent, malheureusement ne pas le choisir et fonctionner très bien dans la vie. Du coup, Sébastien, alors dis-nous tout. Alors cette photo, son histoire, elle est toute simple. Donc on était au milieu du printemps, c'était le début du nourrissage chez les hirondelles rustiques. Et du coup, j'avais l'habitude de tourner autour d'une vieille ferme dans laquelle il y avait plusieurs couples qui nichaient, avec l'espoir justement de pouvoir réaliser une photo de nourrissage un peu sympa et puis surtout différente de ce qu'on a l'habitude de voir, soit des nourrissages encore au nid ou alors des nourrissages sur des fils électriques ou sur des barbelés. Des choses qui peuvent faire des images sympas, mais là ce que je voulais, c'était vraiment avoir le côté bien plus nature. Et puis juste à côté de cette ferme, il y a toujours d'ailleurs un bassin de rétention d'eau, donc un coin qui en soi n'a rien de joli, et au bord de ce bassin de rétention, il y avait une grosse buse en béton. Et j'ai capté qu'en fait il y avait deux fratries d'hirondelles qui aimaient bien se poser sur ce gros bloc de béton en attendant de se faire nourrir. D'accord. Donc du coup ce que j'ai fait, tout simplement j'ai toujours avec moi dans ma bagnole quelques branches un peu sympas pour servir de perchoir à l'occasion. Okay. Et système D, hein. Et du coup j'en ai installé plusieurs tout autour de cette buse et sur la buse, en me disant, si j'ai de la chance, elles vont préférer se poser sur une branche qu'elles auront, sur laquelle elles auront plus facile à avoir de l'appréhension plutôt que se reposer sur le béton. Et du coup, je suis revenu ensuite quasiment tous les jours pendant une semaine sur le même spot pour regarder ce qui se passait. Et ça n'a pas manqué. Hein, au bout, dès le premier jour à mon retour, il y avait déjà un premier oiseau qui était posé sur une branche. Et puis le jour suivant, j'ai eu la chance d'avoir toute la fratrie. Alors, il y a quatre oiseaux. Donc là, il en manque un sur la photo qui est hors champ, qui est sur la gauche. Ouais. Et donc là, après, du coup, l'exercice, ça a été simplement d'attendre que les adultes viennent nourrir et puis de réussir à avoir une compo un peu sympa. Alors, d'un point de vue purement technique, là, cette photo, elle est faite au plein format avec un 500 mm. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas monter trop en vitesse. On est au 500e de seconde sur cette photo, pour justement pouvoir capter un minimum de flou dans les ailes, pour éviter d'avoir un mouvement trop figé et puis vraiment montrer un peu de dynamique dans les ailes de l'adulte qui est sur la droite. Et voilà. Et après, et pour le reste, le travail, il avait été beaucoup fait en amont, notamment au moment du positionnement des branches. J'avais forcément beaucoup réfléchi à l'impact de la lumière, au bokeh, à ce qu'il y allait avoir, parce que je voulais vraiment essayer d'avoir quelque chose de plus épuré possible pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur les oiseaux et sur l'action. Ok. Bah, écoute, ça marche bien. Moi, je trouve ça bien, c'est la démarche de le voir un peu ce nourrissage dans des conditions différentes, sans être proche du nid ou entre guillemets, voilà, se mettre dans une position un peu plus naturelle. Je trouve ça pas mal, quoi. Après, la photo, finalement, c'est vraiment des photos super faciles à faire. Alors, enfin, mis à part le côté technique et puis préparation, mais en soi, ce sont des oiseaux qui sont observés, qui ne sont pas farouches du tout. Là, j'étais à 6 mètres des oiseaux sans pour autant les déranger du tout. Donc, voilà, à partir du moment où on fait tout ce travail préparatoire d'observation, de repérage, finalement, le reste, c'est vraiment que du bonheur. Oui, bien sûr. Oh, bah, écoute, ouais, chapeau. Merci. Et écoute, au bassin de rétention, t'as pas essayé de faire des photos, j'imagine qu'ils viennent boire sur le bassin, non? Alors, en fait, le problème, c'est que c'est un bassin qui est assez... les berges sont assez raides. Ah, et du coup, pour tout ce qui est photo, par contre, effectivement, soit de bain, soit de boisson, la plongée est trop importante pour avoir des rendus très sympas. Par contre, pour la petite histoire, je m'amuse régulièrement l'été...
là où je pars, en, là où je vais en été, en général, il y a une piscine avec des hirondelles qui aiment bien venir boire aussi le soir l'eau de la piscine. Et là, ça permet de faire des images assez sympas d'hirondelles de face en train de venir, de venir boire ou de venir se baigner. Il y a des trucs très sympas à faire. Mmh. Alors, quand on entend ton histoire et en voyant l'image, ça me donnait cette envie de faire cette photo. Une photo qui pose pas mal de questions. Les gens ont posé quelques questions. Tac. Vas-y, je suis tout oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi, j'avoue que c'est quoi, toi? Des photos qui m'avaient fait tilt. Moi, je pensais à de la glace. À de la glace, mais après, en dehors de ça, j'avais pas trop d'idées. Non, donc, mais effectivement, c'est de la glace. Ouais, c'est de la glace. Et en fait, c'est un endroit où je vais chaque année dans le cadre de mes voyages photos. C'est un endroit en Suède. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le Baïkal en Russie. Ouais. Et un peu un équivalent en Suède qui s'appelle le lac Akayoré. C'est une qui veut le chercher. Qui est situé à côté d'un parc national qui s'appelle le parc national du Sarek. Et en fait, il faut savoir que c'est un lac de barrage. Et du coup, l'hiver venu, gèle. Et comme c'est un lac de barrage, le niveau baisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène, on a des énormes blocs de glace qui viennent se fracasser sur les hauts fonds. Et ce qui se passe, donc, du coup, c'est que tu peux voir ces blocs de glace, des fois même les entendre, donc c'est un peu flippant, parce qu'on marche sur le lac, donc il est gelé, ça ne risque rien. Et donc, tu as par endroit, tu vois l'épaisseur de glace et la couche qui est juste impressionnante. Et nous, on y va, en général, ce que je fais, parce que moi, je fais beaucoup de photos de paysages. Mmh. Et des fois, quand tu n'as pas la lumière ou tu vas essayer de chercher quelque chose de différent, surtout quand tu reviens depuis des années sur le même spot, tu essaies de te réinventer. Mmh. Et notamment cet hiver, c'est une photo qui a été faite cet hiver, où il n'y avait pas la lumière, il y avait énormément de neige. Du coup, la neige, la glace était assez masquée. Mais n'empêche qu'aussi, les jours où il fait mauvais, le bleu a tendance à beaucoup plus ressortir. Et donc, j'étais en quête de choses un peu différentes. Et j'ai vu ce bloc de glace, la tranche là. Et je voyais ces espèces de bulles. Ce qu'on voit, c'est des bulles. Mmh. Avec ces espèces de formes. Et là, en fait, il faut dire que là, je suis quasiment au 70-200, à 1 mètre. Vraiment la mise au point la plus proche possible. Après, c'est flouté. Ouais. Et après, j'ai regroupé parce que j'ai pas d'objectif macro, j'en fais pas en fait. Ouais. Donc, j'ai shooté ça et puis après, tout est au traitement. Et donc, j'avais fait comme ça une série de 3-4 photos ce jour-là. Et j'en avais gardé plusieurs et c'est celle-là vraiment quand je l'ai traité. J'ai dit, mais attends, elle est incroyable. Il y a une espèce de filet là, qui tombe sur ces. On a l'impression que c'est des rochers. En fait, non, c'est juste des espèces de bulles en fait, de glace en bas. Et là, ce qu'on voit là, c'est quelques millimètres, même pas. Non, mais enfin, c'est sûr que cette photo, enfin, voilà, elle a interpellé directement. Et c'est vrai que enfin, moi, je sais que dès que je l'ai vue, je me suis dit, il y a un truc avec cette photo. Je disais à mon collègue à qui j'encadre les voyages, je dis, attends, là, il y a un truc, parce qu'on, de temps en temps, on participe à des concours et on se montre nos photos pour leur donner un avis et tout. Et lui, il avait préféré une autre. Et j'ai dit, moi, celle-là, tu vois, laisse-la moi. Je vais la traiter et tout. Et la preuve, c'est qu'on est là à en parler, tu vois, comme quoi. Ouais, parce que vous êtes deux, alors je connais pas personnellement. Déjà. Et en fait, mais, pour présenter, moi j'ai mon titre, je m'appelle Nicolas Raskinjas, mais à titre d'artiste, je m'appelle Check My Dream. Ouais. Et à côté, on a créé une agence de voyage photo avec mon ami Pierre Destribat, qui est d'ailleurs aussi de Bordeaux. À la base, on s'est connu sur Bordeaux et on encadre des voyages photos et donc la plupart ont lieu en Laponie. Donc on fait un circuit, on fait Finlande, Suède, on passe notamment par ce lac. Et on finit dans les Lofoten, en Norvège, voilà. Donc, et on encadre des voyages à chaque hiver. Ouais. Mais donc, ouais, donc ça, c'est une photo. Il faut savoir que cet endroit-là, en fait, le lac fait en lui-même fait 100 à 150 km de long, je crois, de mémoire. Et que vraiment, un endroit en particulier, on peut retrouver ces espèces de hauts fonds qui viennent briser la glace. Et ce qui est vraiment, vraiment prenant sur ce lac, il faut aller dessus. Et tu peux entendre le mouvement des plaques. Et donc, des fois, c'est un peu flippant. T'entends des espèces de. Quand il n'y a pas de vent, t'entends des espèces de bruits sourds, de plaques qui se brisent entre elles. Et t'as vraiment une ambiance qui est unique. Et qui est du coup. C'est un endroit qui est très, très, très visité l'été, parce que c'est connu. Il y a énormément de rando et tout. Mais l'hiver, c'est désert. On est à chaque fois les seuls. Donc, ouais. Si vous avez l'occasion. Non, mais c'est top. Puis les lacs gelés, alors moi je suis pas un spécialiste, mais j'ai testé un peu. Ouais, c'est toujours une ambiance particulière, surtout quand il n'y a personne, quand c'est un peu au milieu de nulle part. Et, ouais. Voilà, moi, j'ai fait j'ai photographié des aurores boréales sur un lac gelé où la journée j'avais un peu peur de marcher dessus et en fait je me suis retrouvé la nuit encore par l'aurore boréale. Oui. J'étais pas au milieu du lac, mais j'étais un peu à un moment, je me suis dit waouh. Non, il y a des lacs en Norvège, je déconseille parce que le Norvège il fait plus chaud, mais en Finlande et Suède,
tu peux, voilà. Ah, moi, et encore quelques. Et en plus, ouais, j'avais des indications de l'habitant qui m'avait dit non, mais à partir du moment où il y a 10 cm de glace, ça gère. Et là, il me dit, oh, je pense qu'il y a facilement 20-50 cm, on y fait du patinage et tout. Ouais, si les locaux te le disent, alors. Ouais, ouais, mais bon, j'avoue que voilà, c'est juste Laurent Boral qui m'avait fait oublier le truc parce que sinon, je ne suis pas sûr que je refais ce que je dise pas de bêtises. Donc, c'est Benoît Autré. Du coup, c'est une photo qui a été prise dans les Alpes d'Haute-Provence. Bon, il donne même la commune, mais moi, je ne vais pas forcément la donner. Ça évitera qu'il y ait des milliers de gens qui aillent là-bas lui bousiller son spot. C'est un Ascalaf ambré. Donc, je ne sais pas si... Ouais, peut-être que Johan connaît bien l'Ascalaf. Tu l'as photographié, j'imagine, non? J'en ai ça. Je dois en avoir par chez moi, mais on n'arrive pas à les trouver. Ah. Bon, je te mettrai en contact avec Benoît, alors. Expert ou pas. Du coup, donc, c'est pareil, avec un boîtier plein format Nikon. Avec un objectif à 180 mm macro, Sigma. Donc, il l'a prise en juillet 2018. C'était une période apparemment tardive pour trouver cette espèce dans la région. Du coup, ouais, apparemment, elle est plus abondante en mai-juin. Voilà. Et du coup, il a été surpris de trouver l'individu à basse altitude. Et il a pris le temps et beaucoup de plaisir à le photographier dans une belle ambiance colorée. Donc, ouais, qu'on peut voir sur la photo. Mais moi, j'aime beaucoup. Le bokeh, il est incroyable. Ouais, ouais. Fait ce bokeh, ouais. Ouais, de toute façon, il fait vraiment... Ouais, grosse partie, mais c'est vrai que l'Ascalaf est bien, bien pris aussi. Et c'est vrai que c'est une bestiole assez particulière, donc je pense que les fans de Macron aiment bien le photographier. Et je pense que ça ne doit pas être facile à trouver, j'imagine. Sur des zones assez particulières. Hein. Ouais, ce que j'ai compris. Beaucoup d'espèces, de toute façon. Il parle de friches, donc du coup, il dit voilà, lorsque les rayons du soleil viennent lécher les friches, cette espèce grimpe sur les tiges, il ouvre lentement les ailes pour se réchauffer, voilà, comme beaucoup d'insectes, et voilà. C'est un moment magique à ne pas louper. Et forcément, ça se voit bien sur la photo, en tout cas. Franchement, c'est magnifique. Ça, elle a fait assez vite l'unanimité, je pense. J'espère que c'est le cas pour tous les gens qui visualisent le concours. Merci d'avoir accepté, d'avoir participé. Et franchement, c'est super. Et voilà, j'espère que les gens seront contents de voir la vidéo. Et voilà. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. On se retrouve. Hein. Restez en bonne santé et puis profitez de la lumière. Ouais. Merci, ouais. Allez. Allez, salut, merci à tous. Bye bye. Bonne chance, les gars. Rendez-vous demain. Ça va, salut. Demain, on fait les comptes. Allez, ciao. Alors, déjà, la petite question que je pose à tout le monde, qui est professionnel de la photo et qui vit de la photo? Vous levez la main. Professionnel, je ne vis pas de la photo. J'ai okay. Un autre boulot. Donc, on a une professionnelle, on va dire, à plein temps, et on va dire, on a une semi-pro. Aline, c'est ça? Voilà, je ne suis pas à temps plein, donc on va dire, je suis semi. Okay. Ouais, j'ai une activité, mais t'es pro. Enfin, en gros, tu as un statut professionnel, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et on a deux amateurs sur la gauche, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, quand je dis amateur, hein, y a pas de. C'est pas genre, vos photos sont moins bien ou machin. C'est juste le statut professionnel. Ça, je l'ai déjà dit sur la vidéo hier, donc voilà, je le recoupe aujourd'hui. Mais en gros, les amateurs, il y en a, ils ne veulent pas participer parce qu'ils se disent qu'il n'y a que les pros qui gagnent le concours ou il n'y a que les pros qui sont en phase finale. Donc là, c'est la preuve que c'est faux. Parce qu'hier, il y avait encore plus d'amateurs qu'aujourd'hui au final. Et voilà, et les pros, des fois, ne veulent pas participer parce qu'ils ne veulent pas forcément se mélanger aux amateurs, etc. Donc, pour ménager les susceptibilités de chacun, au moins, hein, on voit que c'est à peu près égal. Il y a deux pros, deux amateurs, on va dire. Et voilà. Ok. L'autre petite question, alors on va commencer par Stéphanie. Comment vous avez découvert les playoffs? Comment ça se fait que vous participez? Ben moi, je participe parce que je suis passionnée de macro et je suis arrivée sur la page de Thomas et j'ai vu qu'il y avait le concours. D'accord, donc c'est par Thomas Nazaré. Oula. Thomas c'est par le biais de Thomas Nazaré? Non, Thomas Delac qui Oula. Était juré et qui avait publié sur sa page. D'accord, ok. Je le remercierai. Il va me coûter cher, tu vas, à force. Ok, Clément, du coup, tu as découvert comment? Moi, ça fait peut-être 3 ans, 2 ans. Ouais, 2 ans, je pense. Ouais. Que je connais. Et je pense que c'est Facebook. D'accord. Je sais pas, ouais, j'ai dû trouver sur Facebook. D'accord. Ok. Bon, non, mais moi, je suis très curieux. Du coup, Elisabeth? Pareil que Clément, sur Facebook, il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Je pense que tu avais dû faire une pub où ça devait être sponsorisé et c'est comme ça que j'ai ouais. pu te suivre en fait. Ouais, chaque année j'essaie de faire un truc un peu sponsorisé pour essayer de toucher plus de personnes. Mmh. Bon, c'est plus des tests, je n'ai jamais su si c'était très probant. Bon, après, j'ai envie de dire si t'es arrivé que t'es dans les 16, bah, c'est bon, j'ai rentabilisé ma pub. et du coup, Aline?
Ben, pareil. Ouais, pareil, il y a deux. Ouais, j'avais participé déjà il y a 3 ans, je crois. D'accord. Et 3 ou 4 ans. Il y a 2 ans, j'étais dans le top 5 et sur une photo, et j'ai reparticipé cette année. Ouais. D'accord. Et okay. Certainement sur Facebook aussi, je pense. Ben, ouais. Stéphanie, ben, dis-nous voilà, un peu plus sur le contexte de cette photo, quand tu l'as faite. Voilà. On n'est pas obligé de savoir tous les réglages, tous les détails, tous les secrets, ni même le lieu exact, hein, mais voilà. Toutes les infos que tu veux donner, ben, vas-y. Ouais, non, mais bon, voilà, je suis passionnée de macro depuis quelques ouais. années. Donc, j'arrivais pas à donner une touche artistique à mes photos. Ouais. Mais j'ai rencontré Fabien Dubussy, chez qui j'ai fait un stage. D'accord. Et voilà, il m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup son travail. Et voilà, j'essaye de créer quelque chose d'un peu plus artistique okay. dans mes photos. Voilà. De toute façon, là, enfin, au niveau artistique, je pense qu'il n'y a personne qui dira qu'il n'y a rien d'artistique dans la photo. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais, ben après, je fais des essais, je peaufine, hein, parce que moi, je suis vraiment niveau amateur. Ce n'est pas mon métier du tout. C'est une passion que j'ai découvert ouais. il y a 3-4 ans. Après, et... on peut être amateur et faire des bien meilleures photos que des pros. Hein. Amateur, c'est juste un non-statut, mais voilà. Ouais. Pro veut pas dire qu'on est très fort en photo pour tout. Hein. Non, mais bon, c'est vrai que le temps me manque beaucoup pour pratiquer la photo. Donc, je rassure, ouais. hein, quand on est pro, enfin, de pro qui sont là, je pense pas que vous ayez beaucoup plus de temps pour faire des photos pour se faire plaisir. J'ai beaucoup de petits sujets. Je photographie en fait tout ce qui est proche, tout ce qui est le courant qu'on voit tous les jours, ouais. Des petites fleurs, des petits. Voilà. C'est vraiment ma pratique de la photographie. Ben c'est cool. Non, mais tant mieux. Alors, j'en profite pour dire bonjour à Béatrice. Alors, est-ce que cette technique artistique pour avoir la petite fleur là, qui se reflète dans le bokeh, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais couramment? Est-ce que c'est quelque chose qui est très compliqué? Est-ce que c'est la première fois qu'il arrive? Non, je le fais de temps en temps. C'est une technique, justement, que j'ai appris avec Fabien et qui n'est pas facile à mettre en place. Et voilà, et j'essaye et je passe des heures et des heures à peaufiner mes montages, enfin mes scènes pour avoir un rendu que j'aime bien, mais ce n'est pas facile. Donc voilà. En même temps, si c'était facile, ça ne serait pas marrant. Ouais. Je veux dire, c'est comme les playoffs. Si c'était facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des photos marrant. Qui sont quand même construites et c'est des photos qui ne sont pas improvisées. Quoi. C'est. Voilà. Ouais. Après, je pense que voilà, plus on monte en niveau en photo et moins on improvise en photo aussi. Hein. Après, l'opportunité, elle est toujours là, la chance, tout ça, ça on va dire, ça marche toujours. Mais après, en général, on prépare de plus en plus ce qu'on veut faire, on sait de plus en plus ce qu'on veut faire. Et voilà, et après, il n'y a plus qu'à réussir à réaliser ce qu'on veut faire. C'est ça le. Ouais, l'idée, elle est là, en fait. C'est que les photos, je les pense un peu avant et voilà, je les retravaille. Mais avec toujours des sujets communs, quoi. Je ne vais pas chercher des sujets. Très loin. Je dis, il faut continuer sur cette voie. C'est, moi, ça me va très bien, c'est parfait. Bah, c'est un peu inespéré d'être là. Ouais. Bah, comme quoi. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui pensent que c'est inespéré, qu'on ne peut pas atteindre les phases finales en étant amateur, qu'on ne peut pas les atteindre sans avoir lâché de l'argent au jury. Non, je confirme, j'ai pas. Non, mais voilà. C'est pour dire que n'importe qui peut y arriver, entre guillemets. Voilà, faut juste être, voilà, faire des bonnes photos, choisir une photo qui il peut plaire à du monde parce que ça compte aussi. Mais après, voilà, le choix des photos, c'est chaque juré qui a fait son classement. Moi, j'étais là pour le pondérer, pour les aider à choisir, pour quand ils étaient un peu indécis parfois. Mais au final, voilà, c'est chaque juré. Donc, voilà, ta photo, elle est arrivée, c'était combien? Numéro 3, c'est ça? Ouais. En troisième position, voilà, avec un autre juré, elle serait peut-être la première, elle serait peut-être quatrième, elle serait peut-être dixième ou peut-être même en dehors du top 10. Voilà, c'est. Mm. Ce qui est sûr, c'est que ça reste une très belle photo. Il y a, de toute façon, les 16 photos qualifiées sont très belles. Il y a aucun souci, je suis très fier de ces photos. Mais il y a plein d'autres photos qui sont magnifiques et qui méritaient d'être mises en avant. Donc les top 10, voilà, il y a 50 photos qui sont magnifiques, qui sont mises en avant. Mais j'aurais pu faire un top 20 pour chaque catégorie. Quoi. Après, c'est juste que nous, on s'en sort plus et que ça devient compliqué à gérer. Mais dans l'idée, clairement, il y avait franchement de belles photos. Quoi. Ok, hop. Quelqu'un a une question sur sa photo? Allez-y. Hein. Bon. Alors du coup, ben, on va revenir à Béatrice. Alors, du coup, tu vas être la seule interrogée là. C'est compliqué. Est-ce que tu es pro en photo? Est-ce que tu vis de la photo? Est-ce que tu es semi-pro? Est-ce que tu es amateur?
Ah, je suis amateur. Ok. Bon, bah là, la balance des amateurs penche complètement. Voilà. En sous-nombre. Ok, bah cool, parce que la précédente session, c'était pareil, il y avait beaucoup plus d'amateurs que de pros. Donc, oui. Donc les amateurs, hein, la preuve qu'on peut être en phase finale sans être pro. Donc arrêtez de me dire ce genre de choses, ça m'énerve. Et la deuxième question, c'est mais comment tu as découvert les playoffs et peut-être ce qui t'a décidé à participer. Il y a plusieurs années que je suis votre blog, et puis. C'est un bon point. J'ai déjà participé aux playoffs. C'est pas la première fois que je suis en finaliste. D'accord, ok, mais je m'en plains. Ouais, j'avais été finaliste avec une photo de macro avec une fourmi. D'accord. Il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus exactement. D'accord. Ok, bah, voilà. Du coup, une habituée, quoi. Voilà. Ok. Et voilà, c'est un plaisir de retrouver ce concours parce que je trouve qu'il est. Il est sympa, il est agréable, il a des règles qui sont différentes des autres, et voilà, c'est sympathique. C'est le but en tout cas, voilà, le but, moi si j'ai créé un truc, c'est pas pour faire le énième concours qui ressemble à des milliards de concours. Ouais, ça n'a aucun intérêt, les autres le font peut-être mieux que moi en plus, donc autant qu'ils le fassent. Non, le but c'est, j'ai voulu créer un peu le concours auquel j'aimerais bien participer. Sauf que d'accord. Le c'est que je peux pas y participer moi-même. C'est gênant quoi. Donc en fait c'est une fausse bonne idée ça. Mais bon je l'ai fait pour tout le monde parce que voilà, le but c'est de faire un concours sympa, un peu fun, qui se prend pas la tête. Et... Alors dis-nous tout Clément, où tu as fait cette photo, pourquoi, comment? C'est une photo d'un sadhu, donc indien, lors de mon dernier voyage en Inde. Okay. C'était à Varanasi, c'est un endroit qui est assez connu pour. Ce genre de photo d'ailleurs. C'est une photo plus ou moins spontanée en fait, en se promenant sur les quais, sur les ghâts. Voilà, c'est une personne qui était là sur les bords. Quoi, et... Il a vu que tu le prenais en photo ou... Parce que là, on dirait que... Je lui ai demandé en fait, on est un peu plus ou moins obligé de leur demander parce qu'ils sont assez sollicités. Et Je me doute. Voilà. Ils apprécient pas trop qu'on leur vole des photos. Donc. J'ai demandé quoi à pouvoir faire cette photo et du coup bah voilà il a pris quelques minutes pour se laisser prendre en photo. Ok bah cool, non mais tant mieux. Il a pas essayé de négocier, t'as pas dit c'est 1000 balles? Non pas 1000 balles, mais c'est vrai qu'ils négocient, après c'est leur façon de vivre aussi, ils vivent un petit peu de mendicité et de choses comme ça, donc c'est leur mode de vie. Donc ouais, c'est une photo qui est à la fin, ils demandent quand même un peu d'argent, mais c'est leur façon de vivre au-delà du tourisme. C'est leur façon d'accord. de vivre au quotidien. Donc, Et du coup, le voyage, c'était un voyage qui était fait pour la photo ou c'était un voyage personnel et la photo, c'est venu en complément en fait? En fait, moi, c'est un peu c'est là où je fais le plus de photos en général. En voyage. C'est pas tout à fait des voyages photos, mais c'est pas non plus des vacances en général. C'est vraiment des voyages photos. J'essaye de partir pour photographier, quoi. C'est mon but, le sac le plus lourd du matériel de voyage, c'est le matériel photo, quoi. Ouais. Et c'est rarement des vacances. C'est vraiment dans le but de faire des photos, en général. Et c'est là où je shoot le plus. C'est vrai qu'au quotidien, je shoot pas beaucoup. Ouais. Et voilà, donc l'Inde, ouais, c'était un voyage que je rêvais de faire depuis longtemps. Aller à Varanasi pour faire ce genre de photos, c'était aussi... voilà, c'est des images que j'avais en tête depuis très longtemps, donc d'accord. Je suis content d'avoir pu faire. Du coup, si tu as pu réaliser ce que tu avais en tête et ce que tu voulais. Très récemment, là, c'était en février, donc tout début février, juste avant la période qu'on connaît là. Mais... Okay. Donc, c'était assez sympa, c'était un peu un défi aussi parce que je fais beaucoup de paysages habituellement. J'ai fait un petit peu de ski quand j'ai commencé la photo, j'étais en région parisienne. Et c'est vrai que le portrait est en plus de rue comme ça où il faut aller voir un inconnu et rien, voilà, très spontané. Et c'est vrai que ça m'a sorti de ma zone de confort, mais je suis assez content de ma petite série de portraits là sur lesquels en Inde c'était vraiment. Oh bah, c'est cool, écoute. Du coup, c'est une double victoire. Ouais, c'est un genre que tu fais pas souvent. Cette photo-là a été prise, ouais, ça fait partie de. Bah, c'est, je pense, un des portraits que j'ai préféré de. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de le voir. A priori, tu n'es pas le seul, du coup, hein, parce que si la photo est qualifiée, c'est qu'elle a plu à quelques personnes. Alors, dis-nous tout, Elisabeth. Eh bien, en fait, au départ, c'était une séance juste pour le chien.
En fait, c'est terminé, que la petite s'est prise au jeu et que du coup, c'est ressorti cette image que j'aime beaucoup. Et dès qu'il y a un concours, bah, évidemment, je la mets parce que j'ai les droits d'autorisation de la maman et qui est très fière aussi bah, qu'elle ressorte. Donc, voilà. Et en fait, je lui racontais, je lui posais des questions du style « Si tu voyais ta maman en princesse, laquelle serait-elle ?» Et voilà, je lui disais « Des princesses qui n'existent pas. » Et elle rigolait, ça la faisait rire. Et du coup, j'ai réussi à sortir cette image. Et voilà, tout simplement. Et elle a quel âge à peu près, la petite ? Il me semble qu'à cette époque-là, elle avait 5 ans, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Ah, c'est cool. Enfin, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette photo, c'est le côté très naturel qui ressort en fait. Mmh. Du coup, je pense que les enfants, après, moi, je suis pas expert de faire poser des gens en portrait tout ça. C'est pas du tout ma tasse de thé, mais je pense que peut-être que pour avoir des moments très naturels comme celui-là, ça doit pas être simple. Ouais. Bah, en fait, elle a posé toute seule. Hein. J'ai rien fait. Hein. Juste des petites bêtises. Voilà, elle a pris le chien et ça s'est fait naturellement, en fait, tout simplement. Et comme quoi, des fois, le hasard, enfin, l'opportunité, et quand on fait bien les choses, on arrive à avoir de bons résultats. Et du coup, en fait, c'était une séance canine, en fait, à la base, c'est ça ? Oui, parce que d'accord. Je suis photographe animalière et du coup, j'avais demandé à sa maman si elle voulait bien me prêter ses deux chiens en modèle. Mm-hmm. Et du coup, bah, voilà, la petite a voulu faire des photos et j'en ai profité et j'en suis plutôt contente. Ok. Et du coup, c'est quelque chose que tu as reproduit sur d'autres séances ? Bah, avec des enfants, non. Enfin, ou très peu, j'ai refait une séance avec un lapin. J'ai hésité d'ailleurs à la mettre, j'ai hésité entre cette photo et une autre et je suis partie sur celle-là parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Et voilà tout ça. Allez, alors du coup après Elisabeth c'est Aline, alors tac, mais du coup c'est les deux photos qui se rencontrent là. Je suis désolé de vous mettre face à face, c'est gênant. Ouais, ça reste même juste pour le fun, heureusement. Hop, oui. Voilà. Bon, ben, c'est mon fils. D'accord. Voilà, mon plus beau modèle, forcément. Ah, tant qu'à faire. Hein. Ben, bon. Donc, voilà, il se prend bien au jeu et on fait beaucoup de séances avec lui. Cette photo, elle date de l'année dernière. D'accord. Et je changeais les draps du lit et puis ben, il s'est mis et... Et du coup, bah, on a joué comme ça et voilà. Ok, c'est marrant. Et alors du coup, là, c'est que de la lumière naturelle. Il y avait une fenêtre derrière qui éclairait. Ouais, c'était vraiment que de la j'utilise que de la lumière naturelle. D'accord, ok. Ouais. Ouais, super, bah écoute, j'ai envie de dire continue de t'amuser avec ton fils alors parce que... alors, il est peut-être... Ouais, ça, c'est de l'année dernière, c'est ça ? Oui. Ouais. Il a quel âge à peu près ? Il a eu 5 ans hier. 5 ans ? Ah oui, d'accord, il est plus petit que je pensais. D'accord, ok. Bon, ça, normalement, moi j'ai une fille de 2 ans, donc c'est encore un peu compliqué pour la photographier là, pour l'instant, mais quand je m'y mette vraiment, parce que ça me fera progresser en portrait en plus. Ouais. Ça sera cool. Le mien est habitué depuis tout petit, donc elle va s'y prendre au jeu. Ouais, j'en doute pas. En tout cas, elle aime bien regarder, mais surtout ce qui se passe sur l'écran derrière, quoi. Donc, dès que je fais une photo, elle fait le tour. Donc, ça rallonge énormément la séance. Donc ça... Et comme je ne suis pas photographe de portrait, enfin, j'ai pas les bons codes pour lui dire de rester devant. Moi, je l'attache, en fait. C'est peut-être, ou là, que je la colle au sol, je ne sais pas. Je trouve une solution. C'est ça. OK. Donc, ouais, c'est marrant que ce soit un drap. C'est marrant parce que moi, j'aurais parié que c'était un fond blanc de studio ou un truc dans le genre. Non, c'est des draps. Okay. C'est vraiment des draps. Là, en bas, c'est la couette et j'ai juste mis le drap au-dessus. Et... Comme quoi, on peut faire des belles photos avec pas grand-chose, un enfant. Des draps, voilà. Ouais. Bon, si vous n'avez pas d'enfant, vous en récupérez un à la rue, mais voilà, c'est jouable. Alors, une photo un peu plus fresh. Dis-nous tout, Béatrice. Alors, c'est une photo que j'ai prise en Islande. Ouais. Et là, on est sous le glacier du Fatmaï occulte. Mmh. Et donc... il y avait la glace que l'on voit, c'est la glace du glacier. On est dans le lit du torrent sous glaciaire. Ouais. Et donc la lumière qui arrive, c'est en fait une crevasse qui fait un puits de lumière. Mmh. Et donc la glace est devenue translucide.
Et voilà, donc c'était magnifique. Enfin, moi, j'ai trouvé très beau. Et donc, j'ai mis ce gros bloc de glace bleue en premier plan avec la sortie du tunnel, si on peut dire, tout au bout. Voilà. Ok. Ouais, vas-y, continue. Voilà, enfin, d'avoir fait cette expérience de passer sous le glacier, moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment la couleur de la glace qui m'a... Qui m'a époustouflé. Oui, bah, y a plein de détails dans la glace, il y a toutes les traces des éruptions volcaniques, des gaz, etc. Il y a plein de choses qui sont enfermées dans la glace. Ouais. Oui. Je l'ai fait une fois, mais je suis claustro personnellement, donc moi, ce genre de truc, je pensais que jamais je ferais ça. Finalement, je l'ai fait dans une grotte, tu vois, celle-là, elle a l'air sympa et spacieuse, quoi. Moi, j'ai fait ça dans une grotte piège, c'était super cool. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une première entrée, donc allez, on va dire qu'on respire encore et je voyais encore la lumière du jour. En fait, la guide voilà, qui a rapidement expliqué qu'en fait, on pouvait prendre un tout petit tunnel à quatre pattes qui faisait quelques mètres et, pour aller voir plus loin. Quoi. Alors moi, j'avoue, je voulais pas le faire. Finalement, je me suis dit, je vais y aller quand même parce que bon, quitte à descendre, autant y aller. Mais j'étais pas bien. Quoi. C'est-à-dire que le temps que je redevienne normal pour faire des photos, en gros, j'ai loupé toutes mes photos à l'intérieur. Quoi. Clairement, je n'étais pas en état pour le faire. Quoi. Mais c'était super cool et c'est une sacrée expérience. Oui, enfin, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et du coup, qui est déjà allé dans une ice cave? Je le pense très bien en plus. J'ai déjà fait. Okay. Donc tu vois pas que dans les pays où il fait chaud alors? Non. Non, d'ailleurs, je préfère les pays où il fait froid. J'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. D'accord. Bah, moi, je confirme, moi, c'est pareil. Moi, s'il fait pas froid, l'Inde, ça me fait pas de tout. Ouais. Clairement. Ouais. Moi, déjà, en dessous des Pyrénées, j'y vais pas. C'est pas possible pour moi. J'ai besoin de fraîcheur, donc c'est pour ça que j'ai fini un truc de glace à côté. Ok, bon, bah, on a fait le tour des photos, donc, merci beaucoup. Vas-y. Est-ce que tu vas le refaire l'année prochaine ou t'as encore des doutes?